Eh bien, bonsoir à tous, salut Tristan, salut Guillaume. Vous êtes au bon endroit, on est en jaune, on parle du club, on parle de Power BI, je vais y arriver. Vous êtes bien au club Power BI, l'émission. On va remettre d'ailleurs, je crois qu'il y a une petite bannière là que je vais juste mettre sur l'overlay, comme ça vous savez où on est. Bref, bonsoir. On reprend. C'est vrai que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. On s'était vu fin novembre pour parler des nouveautés de novembre à l'époque. Maintenant, on est en janvier. On va parler. Évidemment, vous connaissez le format de l'émission. C'est un format qui est consacré aux nouveautés du produit Power BI. Donc, on reste bien dans l'univers jaune. Je suis toujours accompagné de mes deux compères, Tristan et Guillaume. Et puis, j'imagine que ça va, sinon voilà, vous avez l'air d'avoir le sourire. Mais globalement, allez, on va commencer par toi, Guillaume. C'est quoi ton actu, toi? Bon, c'est une reprise, un peu comme tout le monde. On est passé par Galette des Rois et autres festivités sympathiques. Donc, c'est pour ça que je ne filme que le haut du corps, pour pas voir le bas du corps. Non, très sérieusement, tout va bien. On va... Il y a pas mal de choses qui arrivent. Il y a des trucs sympathiques. Et puis, la vie communautaire reprend son cours. Il y a pas mal de choses qui vont arriver. Tout va bien dans le meilleur du monde. Je suis super content. C'est nickel. Super. Ouais, c'est vrai que ce mois de janvier, là, il est parti assez vite. On est déjà le 29, quoi, pour le coup. Demain, Mais c'est bon, c'est bien, février. tu as raison, la vie communautaire, on verra avec notre invité tout à l'heure, on parlera un petit peu de news communautaire. Et toi, Tristan, tout va bien? C'est quoi ton actu? Tout va bien, au mois de janvier assez chargé, la reprise effectivement. On sort des masterclass là avec le club Power BI, on en parlera peut-être un peu plus tard, donc super content. Et ravi de reprendre en 2024 avec ces émissions et avec vous deux. Super. Éventuellement, moi, les masterclass, je veux bien qu'on en parle. Alors, j'y étais, donc mais je vais faire celui qui ne sait pas ce que c'est. C'est quoi les masterclass là, du Club Power BI? C'était quand? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que tu peux nous en dire deux, trois petits mots histoire de se faire un petit peu de promo, même si c'est terminé, hein, On va vous avez créer loupé le du coche. FOMO, le Fear of Missing Out. Vous avez loupé l'événement du siècle. Non, le Club Power BI a organisé une masterclass sur une journée à Paris la semaine dernière, vendredi dernier, enfin vendredi il y a 10 jours en fait. Donc le but c'était de passer une journée avec des experts Power BI du club. Il y avait une session initiation, une session perfectionnement. C'est pas une vraie formation, mais c'était plus des ateliers, du coaching. Des exos, des démos avec donc deux speakers sur l'initiation, deux speakers sur le perfectionnement. C'était la journée complète. On a eu sur les deux sessions une petite trentaine d'inscrits, donc c'est top. Et je pense que ça a été une vraie réussite. On a eu d'excellents retours des participants. On a pu déjeuner ensemble le midi, avoir des bons échanges pendant les sessions, pendant les pauses café, etc. Donc c'est certainement un format qu'on va renouveler. L'an prochain, parce que ça permet de se voir, passer du bon moment ensemble, et puis indirectement aussi de pouvoir financer intelligemment le fonctionnement du club Power BI, qui reste une association de bénévoles et de passionnés. Oui, en fait, de ce que tu dis, il y a un côté aussi privilégié, c'est-à-dire que cette trentaine de personnes a pu passer une journée complète avec quelques orgas et amis du club, en dehors du fait qu'on aime y apprendre des choses. Il y a ce côté où finalement, ça va, c'est pas un meet-up, c'est pas une vraie session, mais en fait, on passe du temps et on échange et c'est sympa. Le temps de midi, on peut parler de choses. Je me souviens, on n'a pas pris de photos, mais il y avait une grande tablée avec beaucoup de pizzas. En effet, c'était cool. J'ai eu la chance d'être présent aussi sur place. C'est un truc qu'on va essayer de reproposer à la communauté. Et tu as raison, il y a un truc qui est bien, c'est ça permet aussi, en fait, pour vous, hein, participants de la communauté, pas vous deux, hein, les gens qui nous écoutent, de contribuer un petit peu parce que c'est vrai qu'on oublie de le dire à chaque fois, mais on est tous bénévoles au Club Power BI, ça reste une association et il nous faut un petit peu de matériel. Alors on est tous informaticiens, donc globalement on est plutôt bien lotis en matériel, mais un peu de matériel, un peu de logistique, un peu d'organisation, donc c'est bien d'avoir ce type d'événement. Messieurs, je vous propose qu'on aille dans le vif du sujet. Les gens, ils regardent l'émission du Club Power BI pour avoir les nouveautés de Power BI. Donc, allons-y. Alors, il n'y a pas eu y a pas de release en janvier. Alors, sauf Power BI Report Server a eu sa release quand même au mois de janvier. Donc, il n'y a pas de. Alors, quand on dit release, avant, on était calé sur Power BI Desktop, mais globalement, c'est sur l'ensemble des services de Power BI. Donc, il n'y a pas de release en janvier, mais on a quand même un peu de rattrapage puisque nous, on n'a pas fait d'émission au mois de décembre.
pour une bonne raison, non pas à cause des fêtes, mais parce qu'on a le traditionnel meet-up de Noël. J'ai eu la chance d'animer avec Guillaume. On a bien rigolé. On vous encourage à aller voir le replay sur la chaîne YouTube. Globalement, on n'y a pas appris grand-chose, hein, mais c'était assez fun. Mais ce qui fait que nous, on est en retard sur les news. Alors, on va voir si la mouture de décembre nous a apporté pas mal de news. Alors, moi, je propose, on démarre toujours avec la grosse news. Donc, moi, je vous propose de passer à cette séquence de la grosse news. Allez, c'est parti. Alors, la grosse annonce, comme d'hab, c'est l'annonce qui potentiellement peut avoir le plus d'impact. Alors, c'est pas forcément la plus technique ou autre, mais celle qui a le plus d'impact pour les utilisateurs de Power BI. Alors, on s'est décidé, honnêtement, pour vous dire les secrets de l'émission, on prépare, on essaye de voter pour ce qu'on imagine la grosse annonce. On a eu du mal à se mettre d'accord ce mois-ci, mais mine de rien, il y a un sujet qui fait polémique, en tout cas qui nous permet de parler, de se dire est-ce que ça mériterait d'être la grosse annonce, c'est Copilot dans Power BI. Alors Guillaume, je te propose de rappeler, je sais qu'on en a déjà parlé, mais de rappeler pourquoi c'est une annonce, pourquoi toi tu penses que c'est important, et puis après on donnera notre avis avec Tristan et moi-même. Ben, je pense que c'est une annonce à double titre. Un, parce que ça fait partie intégrée, ça a fait partie de l'annonce qui intégrait dans Fabric, etc. Donc en soi, c'est déjà une grande nouveauté. Et en plus, Copilot, qui, je ne vais pas vous le rappeler, s'appuie sur de l'IA, etc., est sur le papier, pour l'instant, capable d'aider fortement l'utilisateur à créer ses propres rapports, à l'accompagner dans la compréhension de son modèle sémantique, etc. Clairement, il y a des limitations parce qu'il va être soumis à certaines typologies de licences, mais ça, on y reviendra peut-être après. Pour moi, l'annonce, elle est importante parce que ça révolutionne le métier, ça risque d'ouvrir, ça va ouvrir des portes à des gens qui sont peut-être beaucoup moins techniques que ce qu'on pourrait l'être dans la prise en main de l'outil, etc. Et j'y vois aussi derrière peut-être aussi un double tranchant. Je ne veux pas revenir sur le sujet, hein, mais apprendre des gens à faire des choses seuls ou à se faire aider ou à le faire complètement, c'est vraiment une autre notion. Donc, c'est une grande nouveauté parce que c'est complètement révolutionnaire. C'est un outil, pour l'avoir un peu testé à droite à gauche, assez génial. Je sais que toi, JP, tu le fais pas mal. Mais j'y mets à mettre un petit point. Non, voilà. Mais c'est le sujet, justement. On va débattre de ça, de savoir si vraiment c'est un outil ou pas. Moi, je pense que on pourrait rajouter quand même que l'annonce, le fait qu'on en parle aujourd'hui et que ça soit une grosse annonce, c'est que c'est disponible pour tout le monde. Alors, les conditions, c'est F64. J'ai pas encore les équivalences en prix. Je suis encore dans le monde des licences P. On rentre pas dans le détail, je sais, mais bon, il vous faut un certain niveau de licence. C'est combien par mois pour... Ouais, bon, on n'est pas loin du P1 en fait. Hein. On va rejoindre un P1. On est globalement identique, quoi. En reserve instance, c'est-à-dire que si on s'engage annuellement, on est à 300 balles par mois après sur un P1. Voilà, mais globalement, on est à peu près dans les mêmes sujets, donc ça ne va pas s'ouvrir à tout le monde. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'avant, il fallait faire partie des API few, tu vois, il fallait demander, rentrer dans une private preview, dire qui on était, ce qu'on faisait, etc. Aujourd'hui, Microsoft, c'est ouvert, c'est-à-dire que si je mets la thune, je peux avoir le produit et le tester. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est ça la vraie annonce. C'est que, d'un point de vue licence, ce qui est dommage, c'est que bah, comme beaucoup d'annonces ces derniers mois, les gens qui ont du PPU semblent un peu oubliés quand même. Hein. Faut pas oublier qu'il y avait une licence à PPU dont tout le monde parlait il y a 2 ans, qui était révolutionnaire, etc. Puis maintenant, ils bénéficient plus d'aucune nouveauté, on dirait. Et puis, autre chose aussi, si j'ai bien compris le licensing, les boîtes qui payent 30 ou 35 euros par mois pour avoir le Copilot dans Office 365, là, malgré ça, elles n'ont pas Copilot Power BI. C'est ça, hein. Il faut avoir en plus le premium pour l'utiliser dans Power BI. Oui, le Fabric ou le premium, ouais. Exactement. Oui. Alors, je n'ai pas préparé. Moi, j'ai un super slide puisque, évidemment, comme tu disais, Guillaume, moi, j'ai la chance d'avoir Copilot for Microsoft 365. Alors, ce n'est plus de la preview maintenant, mais de l'avoir. Et donc, je le présente, j'en parle beaucoup avec des clients tous les jours. Et on a un slide qui nous vient de Microsoft. Hein, d'ailleurs, on appelle ça la roue des Copilot. Où, en fait, quand on dit Copilot, d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose, si on veut faire de la pédagogie aujourd'hui,
quand on dit Copilot, chez Microsoft, il y en a 62, quoi. Et ils sont chacun sur, comme d'hab, hein, ils sont chacun sur des produits différents, donc avec des modes de licensing différents, donc avec des droits différents. On croise les doigts pour que ça se standardise et que potentiellement il y ait le méga Copilot, la licence. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a plusieurs. Et j'ai pas, enfin, entre guillemets, en ayant celui d'Office, ben, on n'a pas celui de Power BI, qui lui est lié à des coûts Power BI. Jean-Pierre, un point, peut-être qu'il peut pas être un détail, mais sachez qu'à compter de janvier 24, si nos données ne sont pas hébergées en France ou au State, il va falloir qu'un administrateur de votre portail autorise à ce qu'on ait ce qu'on appelle la limite de conformité de l'instance, c'est-à-dire qu'on va sortir d'un cloud national, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas hébergés en France ou aux États-Unis, la version preview de Copilot, sauf à forcer ce paramètre dans votre portail, ne sera pas du tout fonctionnel. Alors, on ne fait pas attention, souvent on le met, la data on le met en Europe, on le met à droite, à gauche, faites attention à ça, ça a un impact aussi. C'est important. Bah, tout ce produit, c'est lié à la compliance. Alors, on sort du sujet Copilot, mais il y a un moment, les législations, elles ne sont pas harmonisées à travers le monde. On pense tous que le RGPD est un règlement européen et qui est donc appliqué dans chacun des pays de l'Union européenne, mais qui est peut-être un petit peu différent en fonction. Donc, on peut comprendre ces éléments-là. Mais si on revient sur Copilot. Donc fort Power BI, hein, donc on parle bien de celui-là. Donc tu disais, il a deux vocations, c'est t'aider à faire des rapports. Moi j'ai vu une démo. Alors oui, déjà peut-être on s'excuse après tout le monde. On n'a pas tenté la démo. On va essayer de s'en expliquer. Mais les démos qu'on voit, en effet, elles sont très idéalisées. Et moi ça me fait un parallèle avec les autres Copilot où si on enclenche mal le truc, on a un petit côté déceptif, mais on voit bien que les démos, quand elles sont préparées, ben en fait globalement on peut presque lui demander, fais-moi l'analyse, voici les données, dataset, fais-moi l'analyse, et ça nous fait un rapport avec des templates. On voit bien que c'est des templates pré-câblés, hein, les rapports se ressemblent tous, mais ça donne des informations et ça va chercher tous les éléments. Donc il y a un petit côté un peu magique à Copilot. Mais globalement, vous qui êtes analyste, ce que vous avez vu, que ce soit en vidéo, en présentation ou que vous avez fait vous-même, est-ce que c'est mind-blowing, c'est époustouflant, c'est totalement déceptif, c'est prometteur? Comment vous voyez ça? Tristan, tu veux peut-être commencer et après Guillaume, si tu veux. Je ne l'ai pas suffisamment testé pour avoir un avis tranché et vraiment de valeur. Moi, je pense que sur ces trucs-là, il y a énormément de bullshit et de buzzword. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on est en France et je ne suis pas sûr qu'on puisse interroger le Copilot Power BI en français. Donc, il y a la barrière de la langue, il y a énormément de bullshit. Marco Russo a publié un super article il y a quelques mois sur la vision de SQL BI sur l'impact des LLM de Copilot sur la modélisation, le DAX et Power BI. Et en gros, ce qu'ils disent, je vous synthétise l'article en 30 secondes, ils identifient finalement assez peu de cas d'usage, ils sont assez sceptiques, sauf, et ça c'est intéressant, pour faire du test unitaire, de la documentation et des tests de performance. Voilà. Mais globalement, dans une optique de création, tu cliques sur un bouton, ça va te créer un super rapport. Bon, moi, je demande à voir. On n'en est pas encore là, je pense. Guillaume, je rejoins complètement. Tu es enthousiaste ? Non, je rejoins Tristan. Je pense que c'est hyper... En fait, c'est le mitigé, c'est très mitigé. C'est hyper enthousiasmant et décevant. C'est-à-dire que c'est un peu comme un prompt chat GPT. Si on ne tape pas correctement, on aura un résultat complètement bidon. Donc, il va falloir apprendre à la machine. Il va falloir apprendre à ce qu'on lui parle correctement. Et puis, il y a aussi un gros effet d'annonce. Enfin, ce que j'ai pu, moi, tester, encore une fois, comme je suis un peu comme Tristan, je ne l'ai pas testé au maximum de la puissance. Si on ne fait pas exactement ce qu'il faut, on a un truc hyper déceptif. Donc, pour l'instant, je suis assez réservé. Voilà. Je suis assez réservé.
Bon, je vais donner mon avis. Donc, je vais être l'enthousiaste de la bande aujourd'hui. Déjà, ouais, j'ai retrouvé, je me souvenais plus où il y avait la démo. Il y a un pote à toi, Tristan, là, Kratos BI, il a fait deux, trois vidéos sur sa chaîne YouTube sur Copilot. Alors, on aime ou on n'aime pas son style de présenter les choses, mais au moins, vous avez une démo qui existe. Voilà, il clique sur les boutons et on voit les éléments. Alors, c'est très américain. Donc, c'est awesome comme Il démo. a créé une Non. colonne calculée? Non, 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 non. Non, mais plus sérieusement, je vous donne mon avis par rapport à ce que disait Tristan sur l'histoire du français, etc. L'avantage des LLM. Alors, moi, évidemment, comme je suis dans l'innovation, je suis à fond dans le moteur qu'il y a derrière tout ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, on est sur des technologies qui, en fait, on n'a pas les problèmes du Q&A qu'il y avait à l'époque où faut que les développeurs aient fait du multilingue. Là, globalement, le truc est multilingue by design, et il sait combler les trous, les gaps. C'est-à-dire que finalement, il a une certaine forme d'empathie ou d'intelligence où en fait, il va boucher les trous. C'est-à-dire que si vous avez pas mis le bon mot-clé, ben en fait, il peut potentiellement essayer de deviner ce qu'il y a. Maintenant, je suis d'accord avec toi, Guillaume, et d'ailleurs aussi avec toi, Tristan, par rapport à ce que disait Marco Rousseau, c'est que c'est pas non plus de la magie. C'est qu'à un moment, si on sait pas ce qu'on cherche, ça veut dire qu'on sait pas ou si on sait pas l'écrire, puisque en fait la compétence c'est le langage. Je suis capable d'expliquer ce dont j'ai besoin et ce que je veux afficher. Ça va faire n'importe quoi. Et je reviens sur la vidéo de Kratos, là, celle que j'avais regardée. Là où c'est déceptif, c'est que oui, si le modèle il est pourri et qu'il y a 4 fois la même mesure, ben en fait il va vous faire 4 graphes l'un à côté de l'autre avec 4 fois la même mesure. Ce qui n'a Alors c'est joli, hein, par contre c'est génial. Hein. C'est vrai qu'en un clic on a un tableau de bord qui apparaît. Sauf que quand on creuse, bah en fait, comme il n'a pas assez de mesures, il vous met un count de quelque chose, voilà, qui n'a peut-être pas de sens dans le modèle. Ce qui veut dire, et finalement, moi, je suis content finalement de cette conclusion, de cette vision, c'est qu'en fait, ce qui est important, c'est d'avoir un bon modèle sémantique. On ne le dira jamais assez, c'est d'avoir les bons noms de mesures, potentiellement les bonnes descriptions, puisque ce type d'outil va s'appuyer sur toutes les méta qu'il y a derrière. Hein, lui, il a ça dans le contexte. Donc forcément, quand vous posez votre question, il va faire le lien entre ce que vous êtes en train de lui dire et ce qu'il va trouver. Donc moi, je suis plutôt positif dans le sens où ça va être un bon assistant. Maintenant, je suis plutôt d'accord, c'est qu'en fait, sans accompagnement, ça risque d'être très déceptif, parce qu'on va lui demander, ça va nous faire un vieux pie chart dégueulasse, qui apporte pas la bonne réponse. Et on va se dire, oh bah c'est nul. Voilà. Surtout pour le prix. Surtout pour le prix. Oui. Bon, eh ben nous, ce qu'on vous dit, hein, c'est comme d'hab, hein, vous pouvez écrire dans le chat si vous l'avez testé, vous mettez dans les commentaires, on sera ravis de regarder votre feedback. Sinon, vous jouez, vous testez, et puis bon, on verra si on fera une émission. On va peut-être pas faire une émission spéciale Copilot, mais potentiellement, on reviendra vers vous quand on l'aura testé. Malheureusement, voilà, on ne voulait pas vous faire de démo parce qu'en fait, c'est dur de faire la démo, la awesome démo. En tout cas, retenez qu'il y a quelques vidéos qui peuvent se trouver sur Internet et on balance entre, si je fais un peu la synthèse de nos 3 avis, entre l'enthousiasme, mais aussi le fait déceptif si ce n'est pas bien accompagné, voire même de se tromper sur ce que ça doit faire. Donc, c'est ce que tu disais, Tristan, en citant Marco Rousseau, c'est qu'à un moment, il n'y a pas à chier, hein, si votre modèle sémantique, il ne dit pas ce qu'il doit calculer, Copilot le saura pas plus que vous. Messieurs, d'autres annonces, moi je vous propose, on va les faire dans l'ordre qui était prévu. Guillaume, toi tu voulais nous parler des Dynamic Subscription de Point BI aussi, qu'on a retrouvé sur le blog, là, qui a été annoncé en preview en décembre. Ouais, exact. Exact, je vais Je partager ne sais mon pas si tu as écran. peut-être une démo, je ne sais pas. Hein. Ouais, je vais faire. Alors, en fait, on a déjà traité. Enfin, il y a un meet-up qui a déjà été fait sous votre contrôle à Lyon, il me semble, qui a déjà été En traité. Donc, je décembre. vais pas refaire une redite. Je vous invite bien évidemment à aller chercher ce meet-up. C'est juste l'approche philosophique. Alors, je vais en même temps partager mon écran. Je vais faire un partage d'écran pour l'instant. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Et je vais mettre à point pour l'instant. Je vais m'y connecter. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'avant, si vous en avez une ribambelle d'envoi de messages, de messages, pardon, de destinataires, c'était compliqué, il fallait faire des choses un peu alambiquées. Au final, maintenant, ils ont essayé de simplifier. Alors, attention, c'était très Alors, bien il te manque expliqué. peut-être un mot-clé. Tu parles de destinataire, donc c'est publier et envoyer un rapport à quelqu'un. C'est ça. Exactement. Hein, Dynamic exactement. Subscription, parce qu'on a Et peut-être des absolument. noms anglophones qui nous écoutent. Exactement. Donc, en fait, c'est plutôt bien fait. L'idée, je le fais vraiment en 10 secondes. Un meetup qui a été fait en 1 heure, je le fais en 10 secondes.
c'est de se dire ici, vous connaissez tous les fameux abonnements des rapports. Eh bien maintenant, quand vous êtes sur un abonnement, ben, je vais le faire ici. Quand vous êtes sur un abonnement, il vous propose soit de le faire de façon standard, comme vous le connaissez depuis 8 ans, ou peut-être 7, on ne sait rien d'ailleurs, et maintenant avec la nouvelle méthode qui est le dynamique. Et en fonction de votre jeu de données, attention, c'est un jeu de données qui doit être dans un espace de travail à minimum PPU, hein, pour enfin, les premium users, ou alors un fabrique, ou alors un premium. Et quand vous êtes dedans, ce qui va être assez intéressant, c'est que vous allez retrouver, en fait, j'ai inclus, moi, dans mon rapport, une liste de destinataires, et c'est dynamiquement ça qui va pouvoir générer l'envoi. Alors, j'ai fait des listes bidons. Vous allez pouvoir le dire, ben non, je ne veux pas le gérer manuellement, mais bien en te basant sur les données que tu retrouves dans ma table des destinataires. Bref, l'idée, c'est d'automatiser. Et moi, ce que j'y vois ici comme avantage, au final, JP et Tristan, je vous demanderai votre avis après, c'est tout simplement qu'on va pouvoir le piloter par un système d'exploitation, un système source à côté. Une base SQL, un outil métier, une base ERP, peu importe, où on pourrait dynamiquement le faire en connexion avec ce rapport. Et sans avoir à remettre les mains dans tout ça, on va pouvoir piloter l'envoi à la destination de ces mails. Et je trouve ça plutôt pas mal, et d'autant plus qu'on va pouvoir aussi y rajouter des filtres dynamiques. Donc, quelque part, de la pseudo-RLS gérée à côté dans une table, pour moi, est devenue hyper simple à gérer. C'est ça. Elle est là, pour moi, la nouveauté, plus ouais. que le truc technique. C'est plutôt de la partie philosophique qui m'intéresse. Voilà un peu donc, ce que j'avais imaginé. Ouais. Et non pas Dynamics. Pardon. Non, je dis le mot-clé, c'est dynamique et non pas dynamique. Oui, oui, absolument. Que ça soit dynamique. Je me permets une petite remarque. La RLS, parce que d'ailleurs, dans le chat, il y avait eu des discussions là-dessus. Et tu as bien utilisé le terme pseudo-RLS, hein, puisqu'en fait, c'est bien un compte de service qui va chercher. Donc, il n'y a pas de RLS appliqué. Donc, si on a 300 utilisateurs, donc c'est à nous de reconstruire une certaine forme de RLS. Donc, faire attention, parce que là, ça sent le bug où finalement, on veut envoyer, j'en sais rien, moi, les augmentations de l'année de façon dynamique. Et puis, on s'est un peu ripé dans le nom du paramètre. Et puis, tout le monde reçoit l'augmentation de tout le monde. C'est la pseudo. True story, comme on dit, histoire vraie. Donc, faites attention avec ce type de ça. Exactement. Tristan, ton avis, toi, sur les Dynamic Subscription? Je pense que c'est intéressant. Pareil, je ne l'ai pas suffisamment testé. C'est dommage que ce ne soit pas disponible en pro parce qu'on a des cas d'usage maintenant. Ils ont mis les rapports paginés en pro où on peut aussi avoir cette mécanique d'envoi automatique, etc. Donc, je suis un peu déçu que ce soit que sur les clients premium, mais effectivement, c'est assez prometteur. Et le fait qu'on puisse faire porter par la donnée dans un système externe, comme l'a souligné Guillaume, c'est intéressant. Good. Bon, c'était compréhensible, des tout petits voix de robots. Mais en effet, oui, après, c'est toujours ce débat. On l'a déjà eu plein de fois dans l'émission, on l'a déjà plein de fois dans les meet-ups. Premium, pas premium, PPU. Quel est le bon prix? Quel est le bon set de fonctionnalités qu'on met à chacun? Bon, voilà. Bon, bah ça, c'est une fonctionnalité. D'ailleurs, si on fait un petit peu d'archéologie, ça, donc c'est finalement une fonctionnalité qui existait avec Reporting Services, hein, les Data Driven Subscriptions, ça s'appelait, non pas Dynamic. Et à l'époque, je me souviens, il fallait SQL Server Enterprise. Et c'était le même débat. Hein. La plupart, 90% des clients avaient des SQL Server standards. Et donc, quand est arrivé ce truc-là, et je me souviens de manipulation. Mais en tout cas, on vous renvoie au meet-up de nos amis lyonnais, Marie et Thomas. Il y avait Charlie aussi, je crois, qui était invité, qui ont fait un truc assez large, hein, qui prend tout un tas d'éléments, mais qui a traité ça, si vous voulez avoir une démo complète. News suivante, en tout cas grosse news, puis après on passera au quick and dirty avec tout un tas de petites news. Mais celle-là, on a aussi une démo. Tristan, est-ce que tu veux nous parler? Ah, on a perdu Tristan. Juste non, Tristan s'est mis en juste. Non, en non, caméra. Non, je suis là, j'ai juste coupé ma caméra. J'ai juste coupé la pour pouvoir nous partager ton écran. Donc Tristan, on sait que tu es avec nous, il y a ta voix. Tu voulais nous parler d'une belle feature. Alors, je suis allé la voir, je n'avais pas suivi, ça m'a l'air vraiment pas mal. C'est amélioration du formatting des étiquettes. Et j'ai regardé de près, donc j'ai hâte que tu nous montres ça. Pour le coup, on ajoute ton écran et si tu veux nous faire une petite démo et la commenter en même temps. Yes, donc là c'est bon, je partage mon écran, vous devriez le voir. Donc c'est disponible depuis la mise à jour de Power BI Desktop décembre 2023. Là je suis, alors c'est pas disponible avec tous les visuels, c'est disponible avec les bar charts, les courbes et peut-être aussi les tables et les matrices.
En fait, il y a des fonctionnalités supplémentaires effectivement dans le formatting. Alors, je ne vais pas utiliser la nouvelle méthode de formatting là, qui est toujours en preview et que j'aime pas trop, là, le fameux onObject. Je vais rester sur le formatting classique. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que je vais zoomer un petit peu. Dans le menu colonne, il y a plein de nouveautés intéressantes. Alors déjà, ça, ce n'est pas nouveau, mais je reprécise, on peut mettre les totaux au-dessus dans les graphiques empilés comme ça. Ce n'était pas forcément natif avant. Et au-delà de ça, si je vais dans colonne, ici, je vais pouvoir jouer par exemple sur des nouvelles propriétés comme la bordure. Ici, je vais mettre une bordure en blanc avec un petit peu d'espace. Donc, vous voyez, ça permet de faire des choses un peu plus custom, un peu plus stylées, un peu plus modernes. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas la possibilité de formater ces propriétés dynamiquement en DAX. Hein, ça reste, entre guillemets, du statique, en tout cas pour la bordure. Oui, ce que tu as montré qui n'existe pas, c'est le petit FX qu'on a pour pouvoir mettre une mesure pour le dynamiser. Exactement, le petit FX qui permet de dynamiser la propriété de, d'un visuel ou d'un paramétrage. Et donc là, si je vais dans disposition, pareil, donc c'est un sous-menu, on va pouvoir faire des choses intéressantes qui n'étaient pas forcément simples à faire avant. Inverser l'ordre, trier par valeur, gérer les espaces entre les catégories. Donc voilà, tout ça, ça rejoint cette nouvelle philosophie chez Microsoft avec un ancien MVP, Miguel Myers, qui est en train de retravailler la structure et le formatting des visuels pour apporter une couche de modernité. Donc c'est super intéressant. Il y a un article ici qui a été publié qui vous montre, on pourra vous le partager dans le chat ou après. Je vous encourage vraiment à suivre en fait cette page LinkedIn là, PBI Core Visuals. Il y a des choses qui sont publiées dessus qui ne sont pas forcément publiées sur le blog. Donc je vous encourage à suivre cette page LinkedIn. Et dernier point, donc sur les labels, effectivement, c'est la dernière partie de ma démonstration. Là, j'étais plus sur la légende et les catégories. Sur les labels, vous allez avoir la possibilité dans étiquette de données. En fait, vous allez pouvoir jouer sur des propriétés supplémentaires comme le titre. Donc là, il répète bêtement le titre de ma mesure ou éventuellement le détail pour venir mettre, là, vous voyez qu'on peut jouer sur des mesures, des KPI supplémentaires. Bon, là, c'est assez moche. Je vous montre une version sympathique que je ne vais pas avoir le temps de créer moi-même parce qu'il me faudrait quelques minutes. Mais vous voyez, voilà le genre de visuel que vous pourriez être amené à faire en utilisant astucieusement les nouvelles propriétés qui sont disponibles dans les étiquettes de données. Ça permet de faire des choses vraiment stylées, assez modernes. Et surtout, ça limite... Avant, on pouvait faire ça, mais il fallait créer plusieurs visuels, il fallait les superposer, les mettre au bon endroit. Donc, ça créait vraiment des problèmes en termes de design et surtout en termes de performance, puisque ça envoyait plein de requêtes d'axes à votre modèle. Là, on a quelque chose qui est stylé, moderne, bien fichu et optimisé d'un point de vue performance d'axe, front. Donc, c'est vraiment intéressant. Et voilà, de manière générale, regardez ce qui se passe sur ces PBI Core Visuals parce que Microsoft va fortement améliorer les visuels natifs de Power BI dans les prochains mois. En effet, c'est comme d'hab, on a des évolutions sur les visuels qui sont vraiment, vraiment très, très intéressantes. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que moi, j'avais vu dans l'annonce, hein, dans le blog où ils annonçaient les nouveautés, ils focalisaient sur la carte, en fait. Hein, donc, la nouvelle carte est pareil, on peut lui mettre tout un tas d'autres éléments. Ils appellent ça les valeurs de référence. Mais c'est intéressant de voir de voir les visuels évoluer. Et en effet, un point, pourquoi c'est plus performant par rapport à ce que tu disais, Tristan, c'est juste qu'en fait, il y a cette requête pour tous les points de données. On va chercher toutes les mesures d'un coup et non pas faire ça. Une astuce, c'était d'utiliser un tooltip, par exemple, mais là, on avait une ergonomie qui était pas terrible. Merci pour cette nouveauté. Il nous reste quelques minutes pour potentiellement parler de 2-3 trucs. Je sais que vous a tapé dans l'œil cette nouveauté un peu à tous les deux. C'était les nouvelles fonctions d'axe d'information. Je crois même, on n'a pas parlé un peu au meet-up de Noël, Guillaume. Il me semble que tu as été évoqué. Ouais. Voilà, entre deux commits, ça a été évoqué. Commence le temps qu'on revoit de nouveau Tristan à l'écran. Qu'est-ce que tu en penses de ces infos d'axe? Alors. Encore une fois, je trouve ça une belle avancée pour la documentation de nos rapports, mais parce que c'est pas toujours, ça va pas pour aujourd'hui tel que c'est conçu, c'est pas exploitable comme ça dans un rapport aussi simplement que ça. C'est vachement bien parce qu'en fait,
ce que vous aviez avant par des outils tierces, on va pas les citer, mais il y en avait un paquet, le faisait déjà. Enfin, ce n'est pas une nouveauté en soi, mais ils l'ont maintenant mis directement ici, dans Power BI. Et en plus, vu que dans Power BI Desktop, maintenant, on a aussi, vous savez, ce requêteur en DAX, on peut documenter rapidement, depuis sans passer par un outil tierce, directement des choses comme ça. Alors, je peux essayer peut-être de partager mon écran. Voilà. Ben, je reviens sur mon écran de tout à l'heure. Ben, je vais tricher un petit peu, mais globalement, pour faire relativement simple ici, dans votre requêteur DAX, eh ben, on pourrait faire des choses. Alors, je vais peut-être zoomer un peu pour l'écran. Vous avez ici maintenant dans ce requêteur tout un paquet de mesures qui commencent par info point. J'ai une bêtise, je vais savoir ce qu'il y a comme colonne dans mon modèle. Bon, ouais. Exécuter, et je vais avoir ici une palanquée de codes, de tables, pardon, avec des colonnes monstrueuses. Alors, il va falloir qu'on regarde un petit peu chacune des fonctions, etc. J'ai juste fait un petit code rapide, très simple, qui permettrait de récupérer certaines colonnes. Alors, c'est du DAX pur, mais qui permettra de dire, bah voilà, dans cette colonne, j'ai telle table, et voilà le nom de la colonne dans la table, etc. On peut faire des choses très simples. Le gros avantage, c'est que c'est hyper bien documenté. Globalement, ça couvre à peu près tous les besoins. Ça va des calculations de groupe en passant par les relations, les tables, les colonnes, le poids, le dictionnaire, etc. C'est une nouveauté, certes, mais sous le contrôle de Tristan et toi, JP, pour l'instant, je vois pas. Enfin, on ne pourrait pas le mettre en table pour documenter en live un rapport. Il faut exécuter cette requête pour qu'elle se fasse. Sauf votre une astuce un peu barbare. Voilà, donc c'est bien. Ouais, donc c'est plus pour le développeur, enfin c'est plus pour notre expérience de développeur. Ouais, non. Je pense que c'est pas mal pour faire des choses intéressantes, mais on ne peut pas encore l'implanter tellement dans une batterie comme ça en dur simplement. Quoi. Voilà, c'est bien, on va voir le contre-avis en live, je vois la tête de Tristan. Tristan, quelle est toi ta vision de ça? Ben moi, c'est marrant parce que je dirais justement l'inverse. En fait, justement, maintenant, on peut requêter programmatiquement la documentation d'un data model. Donc, ça ouvre beaucoup plus de cas d'usage qu'avant, puisque avant, pour obtenir ce type d'information, il fallait passer par un VertiPack Analyzer, outil externe. Si on avait la chance d'avoir Power BI Premium, on pouvait directement brancher son truc de documentation XML Endpoint pour être en live sur le dataset. Mais bon, ce n'était pas hyper fluide. Là, moi, il y a un exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est Power Automate. Puisque, en fait, Power Automate peut envoyer des requêtes DAX sur un modèle de données. Et donc, en fait, on peut tout à fait imaginer des scénarios où vous allez pouvoir automatiser, scripter dans une chaîne la documentation de votre dataset dans le portail sans licence Power BI Premium, puisque je rappelle que l'exécution d'une requête DAX depuis Power Automate passe par l'API REST classique et ne nécessite pas le endpoint XML. Donc, moi, je pense que ça ouvre des cas d'usage intéressants et que justement, le fait de pouvoir appeler en DAX va permettre plus d'automatisation et plus de... Ça va être mieux qu'avant, je pense. Voilà. Ok, ouais, en effet, je l'avais pas forcément vu comme ça. Ça reste quand même dans un monde un peu de développement développeur. Mais c'est pas pour le confort de développement, c'est pour faire des trucs. Alors, moi, j'ai mis une petite réserve, et j'espère pas, hein, je vais être enthousiaste ou optimiste sur le sujet. Le nombre, en général, quand tu ouvres un truc comme ça, le nombre d'usines à gaz qu'on découvre 2 ou 3 ans après, où il y a des gens qui ont fait des trucs totalement dynamiques, du machin qui viendrait, etc., à faire attention. C'est bien d'avoir un bel outil, mais faites attention à ne pas faire d'usine à gaz. Messieurs, je vous propose, il nous reste 2 minutes pour faire des dernières petites news quick and dirty avant d'accueillir notre invité qui s'impatiente dans les coulisses. Moi, je voulais juste le tour du net, la petite séquence qu'on fait d'habitude. Qu'est-ce que tu as à nous montrer? Moi, j'aurais un truc à montrer pour le tour du net, mais je te laisse démarrer, Guillaume, si tu nous mets le jingle. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Alors, j'ai trouvé des trucs. Alors, il faut le prendre avec, avec pas humour, mais on va le faire comme ça. Première chose, c'est que j'aime bien regarder un peu ce qui se passe dans l'écosystème. Et puis, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, il y a une frénésie entre. On veut comparer Excel et Power BI. On ne peut pas comparer Excel et Power BI, ou en tout cas, c'est quand même compliqué de le faire. Bon, je pense qu'on confond les outils. On pourrait comparer Word et PowerPoint, hein, mais ce n'est quand même pas les mêmes outils. Donc, voilà, il y a des choses sur le tweet là qui sortent, etc. On arrive même à dire parfois que Excel va supplanter Power BI ou l'inverse. Je pense qu'on compare pas les mêmes choses. Donc voilà,
pour moi, c'était presque une lagounette. Et puis, dans le même principe, on a des gens qui vous posent la question de savoir si, en fait, quel est fait la meilleure UX, etc. Au final, oui, mais à la fin, j'ai un rapport Power BI, est-ce qu'on peut le remettre dans Excel? Il y a toute une palanquée de discussions qui se fait actuellement autour de tout ça. Oh, je trouve ça marrant. Je trouve ça, dès le matin, c'est marrant à lire. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de, comment dire, d'intérêt à le faire parce que je pense qu'on ne compare pas les mêmes choses. Mais c'est marrant. Il y a plein de débats. Il y a des millions de vues, des millions de clics qui se font. Et puis, il y a un truc qui m'a fait très sourire, messieurs. Et ça, c'est une autodédicace. Parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a fait un vote à savoir comment on pouvait dire Power BI. Est-ce qu'on dit au Power BI, Power BI, Power BI, Power BI, Power... Ma question est ouverte. Mais le sondage, c'est 50-50. On dit Power BI ou on dit Power BI. Et votre avis, c'est quoi, messieurs? Power BI, Power BI, Power... Non, alors, te concernant, c'est Power BI. C'est vrai. Avec Power QRI. Oui, ouais, c'est ça. Là, ils n'ont pas mis les variantes ch'ti. Non, ouais, ils n'ont pas mis les variantes. J'étais déçu. Bon, en tout cas, moi, je dis Power BI. Et toi, Tristan? Il dit Excel, lui. Moi, je dis Power BI. Ah, bien. Bon. Ouais, en tout cas, sympa le tour. Moi, j'hijack juste deux secondes avant qu'il y ait notre invité, parce que moi aussi, j'ai dans le tour du net, on écume un petit peu nos flux. Hop, chien, hop, ça devrait être bon. Talin. Hop, on le voit où? Ah, voilà, il est là, mon écran. Moi, en fait, il y a un truc qui m'a trop fait marrer, et j'ai découvert ça aujourd'hui, mais c'est assez récent. Il existe des chaussettes Chris Webb. Donc, Chris Webb, pour ceux qui le connaissent maintenant, il est dans l'équipe Power BI 4, mais ça a été l'un des plus grands auteurs de bouquins sur la BI. Donc, avant qu'il y ait Power BI, hein, on était sur SQL Server. Il a fait beaucoup de choses sur SSAS. Donc, c'est vraiment un des cadres. Il a été MVP pendant de nombreuses années. Et je viens d'apprendre qu'on pouvait avoir des chaussettes Chris Webb. Chris Webb, si tu nous écoutes, je veux bien que tu m'envoies des chaussettes que je pourrais mettre lors d'une conférence. Voilà, c'était juste pour ça. Moi, je pense qu'il est temps de faire venir notre invité. Et tiens, je le mets tout de suite directement. Ah ben voilà, non, c'est bon. On a notre régisseur Guillaume qui l'a fait. Bonjour Patrick. Alors, on va quand même mettre, on a quand même prévu, tu vois, quand on a des invités, boum, pour mettre un petit, un petit bandeau. Bonjour Patrick. Alors Patrick, normalement tout le monde te connaît, mais on va quand même te représenter. Ça reste quand même le but du jeu. Donc Patrick, toi tu es dans la communauté AMS. Donc AMS, c'est plutôt le monde moderne workplace. Et quelque part, elle est très proche de nous parce que, ben, en fait, on a quelques utilisateurs qui sont un peu communs à nos deux communautés. Donc déjà, bonjour. Comment tu vas? C'est quoi ton actualité? Bonjour à tous. Ben, à mes premières amours avec la data et SQL et tout ça, j'ai entendu des noms sympathiques pendant le début de l'émission. J'adore Power BI et je suis effectivement donc organisateur et géo, on va dire, de la communauté AMS SharePoint, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. On organise des événements à Paris, en France et à l'international. Tous les quatre matins, on va dire. Exactement. Bah d'ailleurs, alors on a tenté le duplex. Merci en tout cas d'avoir tenté. T'es en ce moment là à Luxembourg. Au Luxembourg, je ne sais pas si tu... Exactement. Pour l'AMS Luxembourg. À Luxembourg et au Luxembourg. Voilà, exactement. Donc demain, prochain événement dans les locaux de Microsoft Luxembourg. Et on parlera évidemment beaucoup de Microsoft 365 et 365. Donc, et d'IA en général, mais très focus sur Copilot. Ouais, on va peut-être revenir sur l'IA, mais évidemment, bon, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Mais en fait, il y a ça, c'est pas désintéressé. Il y a certains d'entre nous qui vont avoir la chance de speaker à une très belle conférence que tu organises avec toutes les équipes d'AMS. Hein. Il y a plein de monde derrière, il y a plein de bénévoles qui travaillent avec toi. C'est la MWCP. Est-ce que tu peux nous en parler et puis de dire pourquoi les gens de la communauté du Club Power BI, il faut qu'ils s'intéressent à cette conf et qu'ils viennent nous voir ou te voir. Ok, alors nous voir, je pense que c'est pas moi qui
La personne à venir voir, c'est effectivement plus de 80 speakers français et internationaux, 2 jours de conférences, donc les 18 et 19 mars, si vous ne les avez pas encore dans vos agendas. Et pourquoi il faut venir spécifiquement pour les gens du club pour ABI? Ben parce qu'il y a beaucoup de sessions de data, notamment par vous trois, mais plein d'autres gens de la communauté. On pourra détailler un petit peu, si on a le temps, les différentes interventions que vous proposez. Évidemment, Power BI s'inscrit dans l'écosystème M365, je dirais nativement, par différents moyens au niveau de la data, au niveau de l'interface, au niveau de l'intégration dans Teams, etc. Que c'est juste naturel qu'on ait ces interconnexions très fortes entre nous. On a organisé plein d'événements dans le passé et je suis sûr qu'on en organisera d'autres. Dans l'avenir. Oui, oui. C'est nos communautés sont très très proches et on essaie de croiser au maximum parce que ça apporte de la valeur. Guillaume, toi, tu as une session sur quoi et ensuite Tristan. Moi, j'ai une session sur la nouvelle intégration du portail Power BI. Alors, je parlerai pas de fabrique là-dessus, mais comment on va optimiser toute son analyse, son utilisation du portail, toutes les petites options cachées, les petits paramètres sympathiques, comment on peut se perdre aussi et comment on va faire pour ne pas se perdre. Oui, un petit peu une suite de ce que tu as pu montrer au Club Power BI, où Joël aussi a fait récemment une session là-dessus. Et toi, Tristan, tu as parlé de quoi? Donc moi, j'ai une session sur Microsoft Fabric que je vais présenter avec Ari Lasky-Carmo de Microsoft. Et ensuite, j'effectuerai un retour d'expérience avec un de mes clients sur Power BI. Super. Excellent. Et puis évidemment, il y a Jean-Pierre. Marie, voilà, il y a plein d'autres. Alors, il y a Marie, voilà, qui nous parlait de ta session, même si elle n'est pas directement axée Power BI, mais plutôt Copilot. Oui, exact. Alors moi, oui, je sors des sentiers battus. Je ne serai pas en jaune. Je vais parler en effet de Copilot. Ce que je disais tout à l'heure en début d'émission, c'est que moi, j'ai la chance de jouer avec depuis cet été. Donc, j'ai un avis, j'ai des retours. On a évidemment tous les retours des clients que je vois tous les jours sur le sujet, de mes collègues aux US. Donc, je vais essayer de faire une petite synthèse, mettre tout ça dans le shaker et de vous donner quelques secrets. Donc, bon, vous pouvez venir, hein, mais on ne parlera pas de Power BI, malheureusement. Je l'attends personne. Ouais, mais je l'attends. Parce que je pense que les discussions que vous avez eues au début de la session sur Copilot dans Power BI ou avec Power BI, on se les pose un peu tous avec Copilot dans PowerPoint, Copilot dans Word, Copilot dans Office de manière générale. Donc, tes conclusions ou tes premiers retours seront, j'en suis sûr, des éléments pour Copilot dans Power BI, parce qu'en fait, moi, en tant que béotien, j'ai testé un petit peu Copilot dans Excel, évidemment. Et bon, j'ai un peu la même remarque, c'est que c'est à la fois très, très incroyable et sur certains aspects. Ça ne va pas nous remplacer, mais est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? C'est plutôt bien de se dire qu'on n'est pas encore tous êtres humains remplaçables si facilement que ça. Donc voilà, je pense que sans dévoiler les conclusions des uns et des autres, on peut déjà se rassurer un tout petit peu. Mais par contre, c'est des super outils, il y a tellement, tellement de choses à découvrir. Ce qui est sûr, comme tu l'as dit tout à l'heure quand tu présentais la conférence, l'IA est au cœur de nos sujets du moment. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on soit convaincu, qu'on soit pas convaincu, ça reste quand même un élément assez fort de transformation de nos métiers et du métier évidemment, enfin des outils de nos clients utilisateurs, enfin bref tous les gens qui sont dans le monde dans ce monde digital. Et donc là, pendant 2 jours, vous allez y faire la part belle. Il n'y a pas que ça, il y a évidemment tous les sujets modern workplace, mais vous allez évidemment parler de ça. Enfin, je dis vous. Je nous y inclus, hein, puisque Guillaume et Tristan et moi-même on sera ravis de. J'ai une petite question pour vous. Moi, j'avais une question avant ta dernière question. Une petite question. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le sujet de la session de Marie Aubert et de Charles-Henri Sauger? OneLake, la clé de voûte de la plateforme de données. Est-ce que ça vous semble un sujet intéressant et pourquoi? C'est un grand sujet.
Moi, bah, on a eu d'ailleurs, on n'a pas forcément parlé, mais il y a une nouvelle communauté qui a démarré, qui est Club Fabric, donc qui est dans ces sujets type OneLake. Et en effet, on parle de plateforme unifiée. Bah, finalement, c'est le mortier qui unifie l'ensemble des briques qu'on trouve dans une plateforme de données de type Fabric. Ça répond à ta question? En tout cas, c'est mon point de vue. Bah, je crois que c'est clair, ça me donne envie d'aller voir la session, si j'avais encore un doute. Christophe, tu as une autre définition? Et puis... Non, rien à ajouter. Et Guillaume? Non, Nickel. on est là. Allez, dernière question, et puis parce que normalement on est over timing, mais on avait prévu juste un. Moi j'avais une petite interrogation. Justement, dans la communauté que tu représentes, Patrick, donc moi j'utilise le terme information worker, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu qualifies un peu. Tous ces gens qui sont dans le digital, qui font soit du SharePoint, du Lisp, du Viva ou autre chose. Est-ce que tu as constaté au fil des ans une maturité dans la vision des data? Parce que nous, on est professionnels de la donnée et bah, en fait, on voit différents niveaux et on peut pas le. Enfin, tu vois, il y a un moment, c'est pas le métier quand on a des gens en formation ou en clientèle. Est-ce que toi, tu constates quand même que la donnée ou la compréhension de ce que c'est un modèle de données, donc des outils comme Power BI, elle a changé au fil du temps? Vaste programme, tu as 2 minutes. Alors, ouais, vaste programme. D'être très déceptif. Non, en fait, je pense que la vraie maturité, c'est qu'aujourd'hui, les gens comprennent que c'est un métier, qu'on ne s'improvise pas sur la data. Peut-être qu'il y a 3 ans ou 5 ans, au moins, les gens se disaient, bon, bah, Power BI, c'est comme Excel, c'est comme PowerPoint, c'est pareil, tout ça, je mets tout dans le même panier. Je pense que mes derniers clients, mes dernières expériences clients, etc., montrent que les gens ont compris que, OK, c'est autre chose. Ça se gère par des spécialistes, en tout cas pour les architectures. On ne s'improvise pas sur la data, surtout pas. Je dirais, c'est Microsoft, et ça, je trouve ça très bien. Nous a quand même réunis parce que c'est des outils qui sont proches, qui sont connectés entre eux. Mais le message est passé, je dirais, dans ces dernières années, que il y a un domaine spécifique et à la data. Moi, j'en étais persuadé puisque je viens de ce monde-là, donc c'est pas quelque chose que je découvre, mais je trouve que cette idée se répand et c'est rare de dire que les gens, enfin, de rencontrer des gens qui n'en ont plus ou pas conscience. Ben, super, très bonne réponse, dans le timing imparti, et c'est sur une bonne note. Moi, c'est vrai que ça me fait plaisir de voir, et j'aime bien ce que tu as dit. Microsoft a rapproché deux mondes qui pensaient qui avaient peut-être des a priori. Ben, maintenant, en fait, on voit bien qu'il y a différents métiers, mais qu'en fait, on est obligé de travailler ensemble pour faire des super trucs. Exactement. Et donc, on sera ravis Travailler ensemble. d'être les 18 et 19 mars à Paris à la Modern Workplace Conférence. On mettra peut-être le lien dans les commentaires YouTube pour venir nous parler de notre expertise data à ta conférence, mais aussi d'échanger avec des gens qui travaillent dans le digital mais qui ne sont pas spécialistes. Je crois qu'on Et est je bon. rappelle qu'on parlera beaucoup d'IA, et c'est pas à vous que je vais apprendre que l'IA ne tire sa force que dans la qualité des données. Donc tout ça est bien sûr interconnecté en fait. Parfait, data forever, comme on dit. Bon, messieurs, merci Patrick, messieurs Tristan, Guillaume, Merci, un grand merci à vous. merci également. Les prochains meet-up, vous allez sur le site meetup.com et vous aurez l'agenda. Je vais pas le représenter. Et il est temps de se quitter et de se dire, pour l'émission en tout cas et les nouveautés, messieurs, je vous retrouve dans quasi pile un mois. Pour fin février, pour parler des nouveautés qui auront lieu en février. Allez, ciao, Salut ciao! messieurs, ciao, bye bye.